ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. C'est une expérience qu'on va commencer, qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va pratiquer. Et je crois que... Essaye de baisser le volume là-bas, sur le truc là-bas. Tu connais comment baisser le volume? Le gros bouton. Le grand bouton, le grand du milieu là, le rond là. Ça doit être normalement à 20. Donc on va à 15. C'est bon. Nous allons travailler tout au long de cette soirée, tout au long de cette nuit. Il est 1h dans 5 minutes. Vous êtes prêts? Tu vois que je suis ton frère là maintenant. Est-ce qu'il y avait besoin de murmures? Non. L'objet du mémé était quoi dans le, alors que je suis ton frère? L'objet du mémé. J'essaie d'avoir mon frère depuis, mais sans succès. Est-ce qu'on doit murmurer? Depuis que tu pries, Dieu ne répond pas là. Tu es la murmurer contre lui. Enfin, c'est vrai que je ne cesse de demander au Seigneur. Toujours, toujours et toujours. Mmh. Ouais. Je me cesse de m'attendre à lui, je me suis dit bon. Au moment opportun, c'était. Quand c'est pour lui, tu négocies, quand c'est pour moi, tu murmures.
C'est ce que tu appelles, tu me vois connecté, tu vois Skype connecté, là, l'appel ne plus pas. Tu me mutes toi à la maison. Non, frère. Mm-hmm. C'est pas comme ça. En tout cas, je comprends. Si, en tout cas, si un appel n'est pas décroché, c'est que certainement, on n'est pas disponible ou il y a autre chose. Et ce qui est sûr, c'est que mon message n'est peut-être pas passé inaperçu. Donc, peut-être que ce n'est pas le moment opportun. Et donc, bien que c'est vrai que parfois dans certaines situations, on a besoin d'avoir une certaine direction, une certaine réponse, mais si ce n'est pas le cas, on comprend que voilà, le Seigneur n'a pas disposé. Durant ton séjour, si tu fermes, on lui pose les questions que tu voudrais poser. Tu auras les réponses claires, sans parabole. Tu as compris? Amen. À condition que tu suives ce qui sera dit. Tu es prêt? Amen. Ok. Alors, quand j'ai dit qu'on va travailler cette nuit-ci jusqu'au matin, vous avez pensé à quoi? Ou bien vous avez pensé qu'on ne doit pas travailler aujourd'hui? Nous attendions toujours. Moi, j'ai pensé qu'on allait travailler. Et vous avez dormi, vous vous êtes reposé? On n'a vraiment pas pu, avec cette affaire d'avoir des... avec ce travail qu'il y avait à faire là, qui était déjà... non précis, parce qu'on ne savait pas à quel moment peut-être les choses allaient commencer. Mm-hmm. Mais il avait dit que c'était la nuit, non? C'est fait que les enfants dorment avant qu'on travaille comme là. Vous avez bien dit que dormir avant 16 heures comme ça, vous avez la force pour tenir. Il faut commencer à travailler là. Si vous voyez vos yeux font comme les vôtres dessous là, il m'arrête. Moi, j'ai dit au frère que je travaillais toute la semaine jusqu'à vendredi. J'allais faire les veillées de prière jusqu'à samedi matin pour la mort et pour la vie. Pourquoi je ne le ferais pas? Tu vas faire l'effort. On est là ce soir. Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Gardez voir l'esprit, le verset 35 à 36, des 35 à 37 des psaumes 119 que vous avez lu. Ce qu'on a voulu faire ce soir-ci, il serait bien qu'on fasse ça dans un endroit reculé, hors de bruit et de vomissement. Ouais, par exemple, si on va à Bordeaux, chez le frère Landrou, là, on part dans le champ, là où est son village, dans son village. Là. L'espace est tellement bien et calme pour pouvoir bien travailler. On reste là une semaine, on étudie la Bible, on prie, on cherche la face du Seigneur. C'est que le Seigneur va descendre là-bas à Périssac. Pas vrai? Là, il faut dire à Willy Landreau qu'ils finissent bien vite l'affaire là, et à Madame Landreau ils finissent vite ça, comme ça on se rassemble là-bas, non? Lamentation, travaillons. Mais il veut qu'on aille dans les écritures, on peut voir certaines choses. Vous y êtes. Vous pensez que c'est quoi? On veut faire quoi là? Lamentation, c'est toujours après Jérémie. Parce que là, tu es dans le Nouveau Testament, déjà. Lamentation ou... Jérémie, douche après Jérémie, tu y trouves. Parce que comme c'est la nuit, là, je ne me vois pas très bien. Donc, mieux on dort. Parce que quand tu dors, là, ça sera très bien, pas vrai. Il est 1h00. Ah, donc, mieux on travaille. Chapitre 3. On y va. On commence. Amen. La mandat, chapitre 3. Notez vite, donnez-vous les passages qui vont venir. On y va. Dans notre début, 1h00. Tu vas parler de quoi maintenant? Tu vas dire, le titre que tu vas mettre, c'est quoi? Vous savez qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Je mets dans le thème, nul de prière, je ne sais pas. Notez Jérémie chapitre 4 et chapitre 7. Lamentation chapitre 3. Jérémie chapitre 4 et chapitre 7. Psaume 119, verset 35 à 37. Psaume 119. Sophonie. J'étais au lycée, lui, d'Osée. Il demandait Sophonie. Osée. On va y arriver. Ésaïe.
quand le moment venait, au moment où vous donner le chapitre, d'accord? 1 Timothée 2, 8. Vous y êtes? Philippiens 3. Et Philippiens 4, 6 à 7. Verset 6 à 7. Romains chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 8. Jean chapitre 12. Verset 35, 34 à 35. Jean chapitre 1, verset 9 à 11. Vous y êtes? Amen. Luc chapitre 6, verset 12. On peut continuer. Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Luc 13, verset 1 à 5. Ézéchiel. Chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, chapitre 11, chapitre 36. C'est bon. Ça fait combien de passages déjà? Atteint déjà 20. C'est 9 passages. Notez Marc chapitre 1, verset 14 et 15. Marc 1, verset 14 et 15. Pourquoi on est autour de la table maintenant, toute la nuit, pour travailler? Pourquoi? Pardon? Pourquoi? C'est le moment le plus calme, le plus paisible, le plus... Éteins le ventilateur, ça n'a pas fait le bruit, ça fait le bruit. Même si on a joué, pas de problème. Non, c'est des au-dessus là. C'est sûr que c'était mon frère. Voilà, quand c'était là maintenant. Juste là, c'est pas éteint. Et voilà. Tu vois que quand tu as éteint, la place est calme, non? Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Votre cœur est libre pour recevoir. Amen. Vous pensez? Amen. Amen. Ton cœur est libre pour recevoir. Je vais mettre pause sur la musique là. On va voir. Le temps est court. Le temps est court. Il faut vraiment qu'on cherche la face du Seigneur. Donc en prélude au fondement de la recherche de la face du Seigneur, nous nous réunissons autour de la table. En prélude, au fondement de la recherche de la face du Seigneur, on se réunit autour de la table. Ouais. Au fondement de la recherche de la face du Seigneur. On y va. Amen. Lamentations chapitre 3. Lamentations chapitre 3. Je vais lire, parce que si vous demandez de lire, vous allez lire dans votre gorge ici. Je vais lire le verset 26 d'abord et on va commencer à parler.
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, donc la façon que j'ai lu le verset 26, le prophète Jérémie dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est ce que nous disons et ce que nous prêchons, mais il y a une condition d'attente. On ne peut pas attendre en silence alors qu'il n'y a, a pas de prérequis. Il y a un véritable prérequis pour pouvoir attendre en silence le secours du Seigneur. Un seul prérequis. Un, pas deux. Un. Et tout don, ce que vous pouvez faire en tant que chrétien, en tant que croyant au Seigneur, gravite autour de ces prérequis. Donc le verset 26 dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pas vrai? Quelqu'un dans une situation, on lui dit, ma soeur, la Bible déclare qu'il faut attendre avec silence. Mais vous remarquez que Anne n'a pas attendu avec silence. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que Sarah n'a pas attendu avec silence. Vous avez remarqué que Rachel n'a pas attendu avec silence. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici en réalité? Il est bon d'attendre avec silence, en silence, le secours de l'Éternel. Bon, c'est quoi donc attendre en silence? Est-ce que en silence, ça veut dire c'était? Donc, le prérequis pour attendre en silence, ça se trouve en haut de ce verset. Donc, en réalité, il y a quelque chose qui est dit au verset au-dessus, avant de dire qu'il est bon d'attendre avec en silence le secours de l'Éternel. Je veux qu'on lise ça ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous vivez votre vie. Et puis quand ça arrive, quand c'est chaud, vous commencez à dire au verset de lui qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Ça ne marchera pas. Parce que l'âme n'a pas été travaillée d'abord avec lui. Ici, en haut, il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui? Oh, normalement, pour bien saisir, on dit pour celui qui espère en lui. Alors, est-ce que nous espérons en Dieu? Quand on dit que nous comptons sur lui, espérer, ça veut dire que compter sur lui, s'attendre à lui. Donc, et la Bible déclare que pour l'âme qui le cherche. Remarquons que dans ce passage-ci, on a utilisé deux choses pour désigner une personne. On dit pour celui, pour la personne qui s'intéresse, qui espère en lui. Puis on dit pour l'âme qui le cherche. Vous entendez David dire que mon âme a soif de toi. Pas j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi. Qu'est-ce qui peut être dans l'âme qui crie véritablement au Seigneur? Au point où le psalmiste peut dire dans le psaume 25, que mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Il reste comme ça, son cœur dit, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu, tu n'as pas le choix. Et puis il dit, dans ce cas, imaginez qu'il y a double personnalité là-bas. Il dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Vous comprenez cela? Comment le cœur peut dire, cherche ma face, il ne dit pas, cherche la face de Dieu. Et puis il répond, je cherche ta face, ô Éternel. Donc quelqu'un reste comme ça là. Normalement, dans notre cœur est le lien, le point de contact entre nous et le Seigneur, le point de communication, la zone où il doit communiquer. Vous remarquez que là, le Saint-Esprit lui suggère ce qu'il doit faire. Donc le Saint-Esprit doit parler. Donc ce soir, ma prière, c'est qu'au sortir de cette nuit de prière, que nos cœurs soient nettoyés au point où le Saint-Esprit puisse nous contacter quand il le veut. Okay. C'est ça dont il est question. C'est ça dont il sera question d'épiloguer et de parler de cela. Le nettoyage du cœur pour l'entendre. Amen. C'est ça. Amen. J'espère qu'on est content. Mettez le doigt là-bas, lisons le son. Ce qu'on va lire là-bas, ne se trouve pas dans vos passages là. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Mettez le doigt, ne fermez pas. Hein. Oui. Vous avez compris ce qu'on va faire ce soir. La chose la plus difficile au moment, au milieu des tribulations, la chose la plus difficile au milieu des tribulations, c'est perdre espoir et appeler à Dieu, il ne te répond pas. À cet instant, c'est chacun vend son droit de naissance. Donc, il est question que dans ce moment de préparation et des difficultés qui vont venir, que chacun puisse avoir une réponse claire du Seigneur lorsqu'on l'invoque. Psaume 27. Psaume 27. Dans votre Bible, ça peut être décalé d'un verset en fonction de là où on a positionné de David. Donc,
dans certains endroits, le de David est un titre. Dans certains endroits, ça commence au chapitre 1, verset 1. On y va. Regarde, le verset 8 et 9, écoutez. Mon cœur, ça, c'est une personne qui a dit que son cœur. Hein. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Voici quelqu'un en qui, donc quelqu'un reste. Je vous avais dit dans les enseignements que votre cœur ne peut pas rester neutre. Si ça reste neutre, ça va s'endurcir. Et au pire encore, quelqu'un d'autre va parler à l'heure en dehors du Seigneur, dans le cœur. Le Seigneur veut le cœur comme tabernacle, comme zone où il doit pouvoir communiquer ses pensées. Et c'est là-bas justement que l'ennemi communique ses pensées. Donc la personne, c'est David en l'occurrence, reste et il dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Comment son cœur arrive à parler? Et vous savez que le cœur a la bouche, pas vrai? Il y a une autre bouche en dehors de celle-ci où on peut parler au Seigneur sans ouvrir la bouche. Mais il dit que cette personne s'est dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Comment son cœur parle de la part de Dieu? Ça veut dire que son cœur lui indique que il entend une voix dans son cœur qui dit, cherche ma face. Puis il répond, lui il répond maintenant. Parce qu'il y a deux voix là-bas. Quelqu'un dit, cherche ma face. Lui il répond en vrai, je cherche ta face, ô Éternel. Regarde ça. Mais l'une des choses qui est dans cette verset-ci, et c'est, je veux que vous prêtez attention à ce qu'on a fait ce soir. L'une des choses qui est indiquée dans ce verset-ci, c'est le verset montre clairement que ce n'est pas une caractéristique davidien. C'est-à-dire que ce n'est pas une caractéristique propre à David. Parce qu'on dit clairement ici que la révélation qui a été faite dans le cœur de David, c'était pour enseigner aux fils des hommes comment faire. Parce qu'il ne dit pas que « cherche ma face », il a dit « cherchez ». Il n'a pas dit « cherche ma face ». S'il dit « cherche ma face », ça veut dire que c'est spécifique à David. Quand il dit « cherchez ma face », vous avez remarqué, dans le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs que cherchez ma face. Et quand vous allez regarder dans ce sens, vous regardez très attentivement, vous allez voir qu'il est question des détresses qui est en vue. Regardez, allons-y un peu en bas. Verset 9, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours et ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Vous avez vu ça? Donc il y a une détresse. Continuez, regardez. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Vous avez moi ce soir. Hein? Amen. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respectent que la violence. Vous avez vu ça? La détresse. Tu es avec moi, ma soeur, tu es en train de lire. Amen. On est où? Tu es dans quel saut? Psaume 27. Ok. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre, de l'Éternel sur la terre du vivant. Vous avez vu cela? Donc, il y a détresse ici. Il y a détresse. Si vous remarquez le plus haut même, regardez, prenons la partie du verset 3. Regardez. On y va? Amen. Oh, mon Dieu. Ça, c'est mon... Regardez, prenons la partie du 1 même. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pour que quelqu'un parle comme ça, il doit savoir de quoi il a de parler. Si une armée se campait contre moi, mon cœur entouré. Vous voyez que l'épicentre des problèmes de l'homme, ça se trouve où? Dans le cœur. Pas étonnant qu'il ait dit donc qu'on garde son cœur plus que tout autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Maintenant, si il dit, quand les gens vont au combat, vous remarquez que quand Saül, ça c'est David qui en a parlé, quand Saül était allé au combat avec les Philistins, lorsque Goliath a fait face et il a lancé le sort à Israël, la Bible déclare que les craintes s'est emparée de tout le monde. Quand la peur est déjà dans ton cœur, tu ne peux plus avancer. Quand il a lancé le truc, parmi vous, cherchez un soldat qui va venir, si on tue, vous me tuez, vous rentrez. Quand quelqu'un a entendu ces sorts lancés, chacun a tremblé. Les genoux des personnes ne restaient plus sur place. Qui pouvait avancer au combat? Mais David s'est présenté avec un autre esprit parce que son cœur était préparé au combat. Quand celui-là parlait n'importe quoi, lui regardait, il dit, comment, quelle est cette insuccance? Un enfant, gardez-vous à l'esprit ça, un enfant. Donc, physiquement, il était un enfant, mais il était un géant à l'intérieur spirituellement.
Pourquoi? Parce qu'il est le temps de travailler avec Dieu dans le secret. Donc il dit que si une armée s'est campée contre moi, mon cœur sera malgré cela, n'aurait aucune crainte. Vous imaginez que quand on envoie deux militaires, ou un policier, quelqu'un voit un policier, il ne fuit pas se cacher partout. Mais il dit que si c'est une armée, il ne parle pas d'un militaire, il dit une armée. Quand ce camp, il se tourne, il regarde comme ça. Il dit son cœur ne bouge pas dedans. Je me dis bien que vous regardez cette personne-ci et imaginez le temps où l'Antichrist va commencer avec les petites lois que nous avons sur la terre, où on commence à envoyer les militaires dans les maisons. Arrêter les gens qui n'ont pas. Si on va vacciner, on passe n'importe où, il y a les militaires. Quand tu vas voir les militaires, tu vas fuir. Mais lui, c'est une armée, il ne craint point. Mais le secret, c'est quoi? C'est parce que son cœur était en connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit peut lui parler dans une situation. Monte, je te le livre entre tes mains. Vous connaissez l'histoire de David pendant qu'il parle, il fuit, il part à Gad, il part chez les Philistins, il part chez Abimelech, ainsi de suite. Partout où il passe, Dieu lui donne l'assurance. Fuis, quitte ici, monte à ça, monte, ne fuis pas, ne le crains pas, descends, je le livre entre tes mains. Son cœur était en constant contact avec le Seigneur. Vous suivez? Il dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Pas, j'aurai confiance, dit plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de Satan. Il me les reverra sur un rocher. Vous remarquez que lui, il parlait comme ça dans le futur parce qu'il avait la promesse du Messie. Or, ce rocher-ci est venu pour nous, le rocher protecteur. Donc, David parlait dans le futur que Dieu va, s'il y avait une détresse, Dieu le cacherait sur un rocher. Parce que ce rocher, c'est le roc sur lequel, quand on te met là-bas, personne ne peut te toucher. Mais pour nous, la révélation du Nouveau Testament dit clairement que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, pour nous, elle est déjà cachée. On ne prie pas pour qu'on nous cache, normalement. Parce que eux, Christ n'était pas venu, le rocher protecteur n'était pas venu. Parce qu'on avait dit, le rocher va venir comme un rocher de scandale. Il sera un pierre d'achoppement, mais un rocher protecteur pour les autres, la bannière. Donc il est venu, effectivement, tous ceux qui sont morts en lui et avec lui sont cachés avec lui en Christ. Amen. Mais on y demeure par la foi. C'est pour ça que ce soit, je veux que notre cœur soit épuré, nettoyé, sanctifié, afin que le cœur puisse être en état d'alerte à la voix du Saint-Esprit. Mais remarquez quelqu'un qui vivait sous la loi lévitique et dont le Saint-Esprit ne demeure pas dans le cœur de l'homme comme tabernacle permanent. Mais il avait une relation comme ça avec le Seigneur. Et la Bible déclare que les prophètes ont prouvé ces grâces qui nous étaient échues là-bas ont fait ça de l'objet de leur investigation. Il leur fait dire que ce n'était pas pour eux. Les prophètes qui ont parlé souhaitent vivre ce que nous vivons, le port où nous vivons. On dit, mon cher ami, vous êtes des annonciateurs, pas des participants. En même temps, on regarde dans la Bible, on croit que c'est eux qui sont mieux. Eux, ils disent que si j'avais su, si quelqu'un pouvait choisir son époque, c'est qu'il n'était pas né en époque de prophète, il devait naître à l'époque après Jésus. Comme sa divine puissance nous a déjà tout donné, ce qui contribue au service, ça a déjà donné. Je veux qu'on comprenne que la dispensation de nous vivons est plus glorieuse que celle des prophètes d'antan, de l'Ancien Testament. Bien que vous voyez que Dieu les a utilisés comme ça, chacun, Moïse, Élie, au delà, bien que vous voyez cela, cette partie-ci, la nature après la croix, est plus grande que toute autre dispensation. C'est pour ça que vous comprenez. La dispensation où le Saint-Esprit habite dans le cœur humain, où il tabernacle sur le corps, Dieu a au milieu des hommes, en dans les hommes. La plus grande des dispensations. C'est dans cette dispensation que se trouve l'âge des ténèbres maximum qui veut envahir le cœur. Les ténèbres parcourent et envahissent la terre. Bien plus grave encore, ça se trouve dans le cœur. Si notre évangile est voilé pour ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé, voyez, a rendu ténèbres sur le cœur. Alors, le cœur donc doit être épuré, nettoyé, sanctifié, afin que ça puisse entendre et être en connexion avec le Seigneur. Bon, maintenant, le monsieur qui est ici dans ce psaume 27 nous dit que si une armée se campait, si une guerre s'élève, il serait malgré tout cela plein de confiance. Et la Bible déclare, il va encore dire plus tard que celui qui se confie à l'Éternel ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est pas ce qui est écrit. Quand on vient d'annoncer quelque chose, waouh! Maintenant, chaque jour à la télévision, France 24 finit, vous allez à BMTV, vous savez, BFMTV, vous finissez, vous allez à Kinox, vous finissez, vous allez à Euronews. Tout ça dit la même chose, que l'heure est grave. Le monde panique, le chrétien panique plus. Le plus grave, c'est que le monde ne sait même pas où s'en est d'aller. C'est toi qui connais là où s'en est de mener, qui a encore plus peur. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Non. Même si vous dites non avec la bouche, le cœur dit autre chose. Quand vous êtes seul à seul, quand on est comme ça, vous êtes galvanisé. Si on toque la pompe, passe sanité obligatoire.
C'est que chacun va voir son vrai visage ici. Le problème se situe au niveau du cœur. Le vrai problème de l'homme, là, se situe au niveau du cœur. Parce que si le cœur n'est pas ancré et centré sur le Saint-Esprit, ou pour le Saint-Esprit attraper ce cœur, tu vas fléchir. C'est ça la révélation qui se trouve derrière Abednego Shadrach. Ils n'ont pas pris une décision exprès pour eux. Le Saint-Esprit a saisi le cœur pour montrer clairement qu'au milieu. Parce que souvenez-vous, quand Élie s'est prêt, il dit qu'ils ont tué tous les prophètes. Il dit, je me suis réservé. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi. Ce n'est pas eux qui ont fait, c'est Dieu qui les a mis à part. Donc Dieu a toujours un reste. Quelque part que même si vous montez, même si vous descendez, ils ne fléchissent pas. Mais mon rôle ce soir, avec lui maintenant, c'est d'allons, quand on y va doucement, doucement, au point où le cœur, quand vous restez tranquille, vous pouvez entendre sa voix dans votre cœur, vous suggérer. La suggestion du Saint-Esprit n'est pas là parce que nous entendons beaucoup d'autres suggestions. Vous restez tranquille, la musique parle en vous, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous restez ici comme ça, la voix parle. Une voix parle, les voix des problèmes, les voix des difficultés. Il dit, prenez garde dans ce Luc chapitre 21, prenez garde de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent. Les excès du marché. Donc tu manges comme ça, la graisse monte, ça dit, ah, tu dis maintenant que Paul était un bon président. Parce que tu as mangé, non? Donc tu ne manges pas, tu le maudis maintenant jusqu'à qui mieux il devait être le président du Gabon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dans le cœur, prenez garde que vos cœurs. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, veillez et prêt afin que vous ayez la force pour tenir. Et parce que ça va finir comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Comment? Celui-ci passait sa nuit dans les cavernes autres, pour prier. Même comme il était au palais royal, il passait son temps dans les jeûnes et la prière. Son attitude de veilleur et de prière doit nous donner instruction pour que nous comprenions ce qu'il en est. Mais le point ici, c'est que Dieu lui a donné la révélation. Dieu nous a donné la révélation ici de comment il était en contact avec Dieu par le cœur. Il dit, reste comme ça. Il nous a expliqué ici qu'en fait, lorsqu'il était dans la situation, il restait seulement comme ça là. Il avait confiance au Seigneur. Bon, je vais vous dire maintenant doucement ce qu'il en est. Donc il dit, il restait comme ça là. Si tu rencontres David, que comment tu fais? Parce que vous devez savoir comment on fait par espérant pour le faire. C'est une chose de lire la Bible. C'est une chose d'entrer en contact avec lui. Il avait tellement travaillé dans la méditation au point de rester comme ça là. Dieu parle à l'intérieur de lui. Cherche ma face. Il quitte, il va dans le caverne d'Adola. Il passe caché là-bas dans les grottes. Il commence à chanter. Quand ça vient sur lui, il chante à un moment donné, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il se perd dans les visions. Je voyais le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, il ne chancelle pas. Vous pensez qu'il fait quoi? Il a déchanté seulement. La Bible dit que comme il était prophète, il savait que c'était pas une promesse que Dieu l'avait fait de le faire à soi, une de ses descendants. Non, ce n'est pas de la raison. C'est de la raison qu'il parlait en faisant ça. Comment David a pu avoir toutes ces choses-là? Vous ne pouvez pas rester tranquille, vous mangez le ndolé de faire grâce, et puis vous prenez le bongo de l'autre, et puis vous dites que vous allez dormir là-bas avant le dos. Quand tu dors, c'est le porc que tu as mangé là-bas, c'est ses grands-parents qui vont venir te poursuivre dans le sommeil. Quand tu tues le porc, tu manges le porc, tu manges ça dans le bongo. Quand tu vas dormir, qui va venir? C'est ses parents qui vont venir te poursuivre dans le songe. Bon, maintenant, un ventre qui dort affamé. Et qui est constamment, dont le cœur est constamment dans le travail, peut contacter l'esprit. Comprenez ce que je veux dire, frère? Donc le Saint-Esprit nous dit ici que David nous a reçu la révélation que en fait, on ne peut pas vivre dans une détresse et avoir l'assurance sans que le cœur n'ait contacté le Seigneur, ou bien le Seigneur ait contacté le cœur. C'est pour ça qu'il dit, même si une armée se campe contre lui, sur quoi tu vas baser ton assurance? Tu vas dire qu'il sait que dans la Bible a dit que ça c'est la Bible. Tu dois vivre ton épisode. Vous avez entendu pas sanité ici? Hein, frère? Non. Tu as entendu vaccination? Non. Non. Mais c'est inclus dans les diseases. Dans les. Vous appelez quoi en français, diseases là? Les pestes. Les pestes là qu'on a lues. C'est exclu là-dedans. On a souvent dit peste parce que tout. C'est peste dans tout. Que ce soit en 1920, s'il y a des trucs. Donc tout est là. Comment donc faire pour que nos cœurs soient nettoyés? Parce que c'est le nettoyage du cœur qui fait taire ces voix différentes, voix qui parlent en nous. Et pour que le Saint-Esprit, pour que tu sois maintenant au milieu des gens. Parce que si c'est protégé à l'intérieur avec ces vitres transparentes du Saint-Esprit là qui vient souvent autour du cœur, ça met le cœur, c'est une boule qui met le cœur à l'intérieur. Transparent. Parce que vous connaissez la grande boule de l'auto, on fait le loto, le boule vont brrrr dedans là. Vous imaginez une boule transparente comme ça, où le cœur est posé à l'intérieur. Et cette boule-ci est faite de cristal, des eaux qui coulent du trône de Dieu. Quand c'est plongé, quand c'est, le cœur est plongé à l'intérieur, n'importe quoi qui vient, pap, c'est le Saint-Esprit qui renvoie. Là maintenant, le cœur est enchaîné pour le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle dans le baptême du Saint-Esprit, mon cher, quand tu es plongé. Quand ton être est plongé au Saint-Esprit, c'est comme ça que ça se passe.
L'eau là, ce que vous entendez, vous avez entendu parler des fleuves d'eau couleront de son sein. C'est de l'intérieur que ça coule, mais normalement, on dit que ça coulera dans son sein. Jésus n'a pas dit que ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau couleront dans son sein. Il a dit des. C'est de l'intérieur que ça sort. Vous avez entendu? Voilà. Donc, quand ce cœur là, ce cristal là, c'est pas comment je vais vous expliquer ça, vous comprenez. C'est la meilleure façon que je puisse expliquer. Quand c'est imbibé de ce cristal, vous pouvez voir ça transparent. Vous allez voir un cœur, essayez de dessiner comme vous pouvez. Vous allez voir un cœur rouge avec un cristal comme la boule, un peu comme la boule de loto là. C'est comme ça, c'est à l'intérieur. Donc c'est gardé. Quand ce cœur s'est gardé de cette façon, c'est frère, vous ne pouvez plus avoir n'importe quel désir bizarre dans votre âme. Donc l'influence qui venait dans ton âme, ça veut dire que le cœur est contrôlé maintenant par le Saint-Esprit, puisque le sang coule là-bas pour couler dans les veines. L'âme n'a plus de guerre. On dit donc que ton âme est rachetée. C'est merveilleux, le Saint-Esprit habitant le cœur humain. Amen. Si cette bouche n'est pas faite, ça va faire vroom. C'est un peu comme vous mettez l'eau sur quelque chose, vous imbibez l'eau, après l'eau va toucher, le Saint-Esprit vient dans un cœur, le cœur est en joie, après, pio, les mêmes guerres continuent dans le cœur. Puis le Saint-Esprit nous imbibe de son esprit et nous entoure par cette glace, cette vitre imperméable contre les péchés, où Satan envoie ses pensées, ça ne traverse pas là-bas. Quand cette boule-là est là, vous entendez n'importe quelle chose, tu entends le Saint-Esprit dire, ne crains rien, ne crains rien, Jésus-Christ est Seigneur. Et puis tu restes tranquille, tu entends Jésus, tu dis de la bouche, Jésus-Christ est Seigneur. C'est dans ce sens que la Bible dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, c'est le boule de feu qui sort dans le monde spirituel. Pas le Jésus-Christ est Seigneur biblique, livresque. Comprenez? Il faut que nos cœurs soient nettoyés. Maintenant, prenons un cœur et prenons une marmite préparée au charbon de bois. Donc, une marmite dont on a mis sur le charbon de bois, on a préparé pour longtemps. Pour ceux qui vont au champ, vous mettez du bois, vous allez chercher du bois, vous allez mettre le feu à bois. Quand vous mettez là-bas, initialement, vous achetez une marmite qui brille. Et puis, vous la mettez sur le feu, vous y préparez. Vous préparez, vous ne lavez pas, vous ne lavez pas. Subitement, la fumée qui monte commence à déposer. Ça fait du carbone noir. Pour venir laver ça plus tard, c'est un problème. Pourtant, la marmite qui est là-bas est censée être brillante. Il va falloir que vous pensez pour nettoyer cette noirceur là-dessus. D'accord? Ce processus, c'est la repentance, le nettoyage, la sanctification. Donc, sachez donc que partout où vous avez passé, où nous avons passé, où on a grandi, nous avons eu des fumées qui a grandi et a englobé nos cœurs. Il y a de mauvais comportements que tu as eu été influencé seulement dans ta naissance. De mauvais comportements. Il y a des trucs que tu entends quand un enfant insulte. Si ton enfant insulte, tu sais que ça vient de toi. Ça, vous comprenez. Donc, les choses qu'on a grandi avec, on a incrusté. Ça a été incrusté. Non. Quand à l'école, tu as eu de mauvais comportements. La source, c'est là-bas, à l'intérieur du cœur. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que quoi? Toute autre chose. C'est le Créateur qui parle, frère. Amen. Qu'on garde quoi? Notre cœur. Mais si on te demande ton cœur, là, tu vas dire que non, il ne peut pas donner mon cœur. Il te donne mon cœur. Je donne mon cœur. Mais si on te donne le code de ta carte bancaire, maf, tu gardes ça, c'est secret, personne ne doit savoir. Parce que le monde a dit que les quatre chiffres, là, fais attention que les hackers ne passent pas. C'est ce qu'on va vider ton compte, pas vrai, frère? Amen. Il vide le compte, peut-être qu'il y a 10 euros dedans. En étant dans ton cœur, là, il y a quoi, frère? La vie. Il y a les sources de la vie. Les sources de la vie. Mais. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardez-lui. Lui qui? Le cœur. Viennent les sources de la vie. La source, c'est quoi, frère? Un lieu où l'eau coule. Donc Dieu a creusé un puits, vous devez remplir ça pour que le Saint-Esprit soit là pour sortir de toi. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça sortira de l'intérieur pour l'extérieur. Donc le Saint-Esprit doit s'exprimer au travers d'un croyant. Et il faut que le cœur soit sanctifié. Voilà pourquoi le message de la repentance est le chemin d'accès pour le Saint-Esprit. Parce qu'un cœur véritablement repentant par le Saint-Esprit, c'est la profondeur. C'est un peu comme on a fait le nettoyage du puits. Ça doit se remplir. Mais il faut que l'âme cherche le Seigneur. L'âme. Pas l'intellect. Il faut que l'âme cherche le Seigneur. Parce que dans la lamentation que nous avons lue aujourd'hui au verset 25 en haut là-bas, l'Éternel est... Regardez bien, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Si vous voulez l'être, c'est de l'intérieur que ça doit se chercher. Il y a un désir ardent. L'Éternel sait que ça arrive au niveau où, si ce n'est pas Dieu, vous ne pouvez plus tenir, vous ne pouvez plus tenir. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Quand ça arrive à ce niveau-ci, le genou ne suffit plus. Tu commences à t'allonger seulement.
plat ventre. Quand vous vous allongez à plat ventre, vous attrapez par la foi son bout du vêtement que Seigneur, je ne vais pas te laisser partir sans que tu ne changes ma situation. C'est à cet instant que le Saint-Esprit commence. Mais dans nos façons religieuses de faire, qu'est-ce que nous faisons? On se met comme ça, on dit, on baisse la main comme ça, on baisse la tête, qu'on a mangé, on est rassasié. On dit, Seigneur, merci pour toute la journée. Merci pour le repas que tu m'as donné. Tu es bon, tu es bon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On dit qu'on a prié. Attends que la détresse soit là, tu ne prieras pas comme ça. S'il y avait la détresse et que tu entends pam pam dehors, même si tu t'es fatigué, pourquoi tu ne peux pas dormir? Parce que tu sais que quelqu'un, tu dois s'attention dans cette situation-ci. Dans la plaisance, dans les plaisances, dans les situations de notre standard où il n'y a rien qui trouble notre entropie, qui trouble notre environnement, la complaisance et l'aisance nous poussent au plaisir charnel. De telle sorte que finalement, ce plaisir charnel développe en nous, mais dans la lourdeur spirituelle. Dieu veut que ça change. On peut commencer à consécuter ça maintenant par des jeûnes et des multiples jeûnes et des prières. Vous imaginez que Moïse a dû jeûner 80 jours sans manger, sans boire. Vous imaginez ça, frère? Alors, ce que nous devons faire ce soir, c'est de chercher Dieu. Il faut que notre âme a soif. Seigneur, mon âme a soif de toi. Je ne veux pas, au Père, que tu traverses sans que cette époque se traverse. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je veux te connaître. Si ce n'est pas à ce niveau, ça ne marche pas. La Bible déclare dans Luc chapitre 18 que les justes crient à lui jour et nuit. Mais nous passons le temps, nous crions seulement en journée. On a dit jour et nuit, on crie à lui. Les gens croient peut-être que non, comme j'ai donné ma fille à Jésus, tout va bien, tout va bien. Mais vous voyez que la réalité, c'est que ça ne va pas bien. Regardez David. David dit, mon cœur dit de ta part, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Puis lui, justement, il a dit, il n'a pas dit, nous cherchons ta face éternelle, parce qu'il ne sait pas si c'est vrai pour autre personne. Vous avez moi? Il dit, je cherche ta face au éternel. Bon, David qui chantait les cantiques, David qui était au nom de Dieu, David qui fait des choses. Bon, s'il a déjà la relation avec le Seigneur, je vous pose la question, pourquoi dois-tu chercher la face de Dieu? Si David est loin de Dieu, David est loin de Dieu, il est loin de Dieu, il vit pour Dieu depuis près de 40 ans qu'on l'a loin comme ministre d'Israël. Le roi sur Israël. Mais la Bible déclare qu'il cherche la face de Dieu. Je me pose la question et je nous pose la question. Comment quelqu'un qui est en relation avec Dieu cherche la face de Dieu? C'est vrai que le fait qu'on soit chrétien devait nous faire encore davantage. On doit s'approcher chaque fois de Dieu. Parce que Dieu est infini et nous sommes entourés avec des choses infinies qui nous créent des avantages. Les situations peuvent changer à tout moment. Il faut qu'on soit devant la face de Dieu. Mais je veux une fois de plus garder ici à l'esprit encore, une fois de plus. Le Saint-Esprit dit dans le cœur de David, cherchez ma face. David a répondu pour lui. Il n'a pas répondu pour tout le monde. Il n'a pas dit, nous cherchons. Parce que remarquez bien que c'est dit, cherchez ma face. Donc, le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un. Cherchez ma face. Qui va répondre? Qui va répondre? David a répondu pour lui individuellement. Je cherche ta face, ô éternel. Il n'a pas dit, Joab et moi, cherche ta face. Il n'a pas dit que non, Absalom, il cherche ma foi. Non, il n'a pas dit que Salomon. Il a dit, je cherche. Donc, c'est un appel individuel. Parce que quelqu'un n'a pas deux cœurs. Il y a le cœur là, qui est unique. Chacun doit chercher. Si tu ne pas dit que je cherche, quand tu mets la main sur le cœur de ton fille ou de ton enfant, que cherchons la face de Dieu ensemble. Non. C'est individuel. Parce que si une personne qui l'autre va laisser sur la terre, il a dit, deux seront dans une maison, un sera plus l'autre laissé. Puisse le Saint-Esprit nettoyer nos cœurs ce soir. Pour que nous ayons l'accès à cette face-là. Mais comment se fait-il que Dieu se cache au point où on crie à lui jour et nuit? Au point où David, vous remarquez encore plus tard dans la soirée, il va dire que j'ai crié à toi, que ne passe pas sans me répondre. Parce que quand il ne savait pas il n'avait pas l'assurance que Dieu était avec lui, ou bien qu'il n'a pas fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tant que Dieu ne répond pas, il ne quitte pas. Il va passer le temps dans les pleurs. Imaginez David, le roi d'Israël. Dieu l'a mis dans une catégorie pour qu'on ne dise pas que c'est quelqu'un qui est pauvre qui en a de faire. Dieu l'avait enlevé de la pauvreté pour le mettre à l'abri des besoins. Mais jusque-là, ça ne lui a pas donné le droit de faire quoi que ce soit en disant que maintenant que je suis dans le palais, je suis trop occupé. Mais nous, quand nous sommes bénis, on s'éloigne plutôt de Dieu. Il dit bien David, il était dans le bergerie, il faisait ça. Dieu l'a rencontré là-bas. Ils sont rencontrés. Mais quand Dieu a changé son statut, il n'a pas changé d'intimité avec Dieu. Il a poussé encore l'intimité avec le Seigneur. Je cherche ta face, ô éternel. Je cherche ta face, ô éternel. Mais il dit comme ça à quelqu'un qui connaît. Je vous pose une question simple. Si vous lisez Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 9,
Vous remarquez que David, Moïse, en train de donner les comptes rendus de ce qui s'est passé avec les Juifs. La Bible déclare qu'il fut 40 jours et 40 nuits. Dieu a pris 40 jours et 40 nuits pour écrire les 10 paroles des tables pour donner à Moïse. C'est à l'issue de ces 40 jours qu'il a donné à Moïse que Moïse descend avec. Moïse descend, il dit descend parce que le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est promptement corrompu. Je savais que c'est un peuple au cou roide. Donc un cou inflexible qui ne se laisse pas fléchir. Alors, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse, après avoir détruit, il remonte encore. La Bible déclare, écoutez-moi très attentivement. Moïse s'est prosterné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire de l'eau. À genoux. Vous savez ce que c'est prosterné? C'est prosterné avec la 7. Il est resté à cette position pendant 40 jours. Il a fait 40 jours sans manger, sans boire pour la table. Il descend, il casse, il remonte. Il fait 40 jours, il fait 80 jours sans manger, sans boire dans la présence de Dieu. La deuxième fois qu'il est monté, les 40 jours, c'était il est dans le sol pour voir si Dieu va pardonner le péché. Donc, quand vous lisez dans le livre des Nombres et Exode, vous avez comme l'impression qu'il s'est seulement tourné et dire que non, Seigneur, pardonne ces peuples, sinon efface mon nom. Non. Il est resté à genoux intercédant. Il est resté à genoux intercédant pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Moïse n'avait-il pas une femme? N'avait-il pas Guéchon avec son petit frère et son enfant? Donc, quand il partait, il s'en foutait de sa famille. Dieu s'occupait d'eux là-bas. Quand il était sur la montagne, dans la flamme de feu là-bas, il ne réfléchit pas à ce que sa famille va devenir par derrière. On se comprend jusque-là? Il était dans l'intention. Imaginez un homme qui part au point où les gens disent sur terre, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Tu tentes des filles ici maintenant, c'est que c'est ta femme qui va te porter plainte pour abandon du foyer. Il amène un constat d'ici pour fuir en avant. C'est pas ça? Il faut qu'on change. Il y a des moments où il faut qu'on se retire dans la présence du Seigneur, que chacun doit chercher une face à face avec le Seigneur pour savoir quelle est l'opinion de Dieu sur tout ce qui en s'est passé. Si vous ouvrez seulement YouTube, vous allez entendre les pasteurs qui prêchent pour le vaccin, les pasteurs qui prêchent contre le vaccin. Ils utilisent la Bible. Chacun va aller dans la Bible pour prendre un truc. Le chrétien qui écoute deux pasteurs, que l'un parle que vaccinez-vous, l'autre parle que non, même si ça entre maintenant, le Saint-Esprit va annuler. Hein? Même si ça entre maintenant, ok, c'est qu'Abednego pouvait se mettre à genoux, le Saint-Esprit annule son efface ses genoux. On a des problèmes, pas vrai? Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ma face. Ou vraiment, c'est individuel. Le Saint-Esprit lance l'appel pour les cœurs de le chercher. Mais quelqu'un se lève et dit, je cherche ta face. Je cherche sa face, ô éternel. Gardez-vous à l'esprit que David parle dans la détresse. Il veut être suivi dans la détresse que le Seigneur est de son côté. Donc, il est temps que chacun se mette à la recherche de la face du Seigneur, que son cœur parle et que le Seigneur écoute à partir de son cœur ses cris et répond. Mais de l'autre côté, Dieu nous dit dans le livre de Lamentations qu'il est avec ceux qui espèrent en lui, de ceux dont l'âme fait quoi? L'âme qui le cherche. Et vous savez que l'âme de toute chair est dans son sang. Et le sang a pour source de propulseur le cœur. Est-ce que nous cherchons le Seigneur avec notre âme ou bien avec notre lèvre où nous disons seulement, Seigneur, je te cherche. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Entre-temps, le cœur, quand tu restes tranquille, le cœur est en train de battre par rapport aux problèmes du monde. Le cœur est en train de chercher des choses de la vie. Le cœur est en train de chercher des choses de cette terre-ci, plus que les choses de Dieu. Où est-ce qu'il y a notre cœur? Il dit que là où il y a notre cœur, quelqu'un sera là où sera son cœur. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est notre trésor? Est-ce que le salut qu'il a créé pour nous à la croix est notre but ultime et notre seule recherche? Parce que de cette croix-là découlent toutes nos bénédictions. De la croix découle toute la bénédiction faite et les promesses faites à Abraham pour multiplier la postérité. Il a dit, telle sera ta postérité. Et la promesse qu'a faite Abraham coule donc sur cette postérité. Donc, on ne peut pas fuir la croix et commencer à chercher peut-être les promesses sans la croix. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. On peut avancer. Amen. Donc, Dieu veut qu'on cherche ta face. Dieu veut qu'on cherche sa face. Dieu veut que nous cherchions sa face. Mais il y a des obstacles. Tout à l'heure, en bas, ici, il a dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais vous remarquez que le silence, dans le moment de secours, vient quand il y a une détresse. Est-ce que donc, je pose la question aux chrétiens, est-ce que quelqu'un peut rester comme ça que voici la vaccination qui arrive? On va forcer, courage, d'accord? Les pleurs, que ça nettoie le cœur. Les vaccinations vont venir, les pressions vont venir. Est-ce que je peux rester tranquille comme ça? Je m'inquiète pas. Si tu restes tranquille pour te calmer devant les gens et qu'il y a ça boue dedans comme le magma dans le cœur, il y a un problème parce que quand ça va venir, tu vas fléchir. Parce qu'il faut une puissance spirituelle pour te faire tenir devant l'adversité. Sans cette puissance-là, tu ne peux pas tenir, tu vas fléchir.
On va avancer. Parce qu'on va te punir d'une façon. Comme on, par exemple, on dit qu'il y a les passes sanitaires, il y aura le renvoi, il y aura des amendes, il y aura des emprisonnements. S'il y a, il peut les récidiviser. Donc ça veut dire que ça va aller crescendo. Peut-être que tu vas d'ici pour le niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu vas flécher. Tu auras souffert les deux autres niveaux pour rien. Donc c'est jusqu'à la gare, normalement, pour ceux qui tiennent. Vous avez moi? Alors, le Saint-Esprit dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter des jougs depuis sa jeunesse. Si cet entraînement ce n'est pas fait, tu ne peux absolument rien. Donc, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez la force pour aller, pour tenir. Pas vrai? Veillez et priez. Donc, vous voyez, ça nous envoie toujours vers chercher la face de Dieu. Parce que plus on va là-bas, plus Dieu fortifie notre être intérieur. Fortifie notre âme. Nettoie tout ce qui pourra nous donner à l'âme de désirer encore. Merci, Père. Merci, Philippiens. Philippiens. À un moment donné, je vais parler selon tous les versets. Vous avez noté Philippiens là-bas aujourd'hui. À un moment donné, je vais parler selon tous les versets qui sont écrits là-bas. Il ne va plus donner les références. Philippiens, chapitre 3. Ce soir, Père, mon cœur entre tes mains. Mon cœur entre tes mains. Mon cœur est entre tes mains. Dès que vous êtes prêts, j'y vais. Philippiens chapitre 3. Verset 7. Verset 7 et suivant. Regardez. Il peut y aller. Philippiens chapitre 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. Je les ai, pas que je vais les regarder. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous avez moi? Je les ai regardées comme. Il dit je les ai regardées. Vous remarquez que cette personne, ce qui en est parlé, en l'occurrence Paul, a déjà tiré les conclusions. Pour lui, la ligne a été déjà tracée. Vous pouvez imaginer ce qu'il a dit là-bas, tout. Il est né de le postulat d'Abraham, Benjamin, ainsi de suite, dans tous les tribus où il peut être là-bas. Et donc, il a la prééminence par rapport au fait qu'il soit d'Israël. Mais toutes ces choses-là, comme il était un privilège, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ça veut dire qu'il avait des avantages là-dessus. Je les ai regardés. Ça veut dire qu'il est arrivé au niveau de nous où, entre sa vie et Christ, il devait faire un choix pour avancer. Il dit, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Donc, remarquez que chaque personne, il y aura une séparation. Il y aura une séparation. Il y aura quelque chose que tu vas perdre. Vous ne pouvez pas avancer avec Christ sans sacrifice parce que Christ est le sacrifice pour nous délivrer de là où nous sommes. Tu ne peux pas venir vers là où il est sans perdre quelque chose. Tu dois perdre. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Que dis-je? Il y aura des séparations. Maintenant, il dit, mais ces choses, verset 7 encore, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés. Une fois de plus, garder encore le temps du verbe. Il n'a pas dit que je vais les regarder. Alors je pose la question, qu'as-tu perdu? Quelles sont les choses sur lesquelles qui étaient donc des choses sur lesquelles tu t'es reposé et reposé pour ta sécurité sur le plan charnel? Et qu'as-tu fait de cela? As-tu sacrifié quelque chose en avançant vers Christ? Quelque chose que tu sais que ceci m'est cher. Cette chose qui m'est chère dans la chair. Maintenant, cette chose qui est chère dans la chair, je laisse ça pour perdre, pour gagner Christ, pour avancer avec Christ. Maintenant, regardez. Et même, je regarde toutes choses comme une paix à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous avez moi? Mm-hmm. J'ai renoncé à certaines choses. À toutes. À quoi, frère? Il a renoncé à quoi? Je vais encore remercier au verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pas étonnant qu'il était profond dans la connaissance comme ça. Profond, versé dans la révélation. Parce qu'il s'était totalement livré à Dieu. Vous pouvez entendre qu'il dit que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est terrible. Un être humain qui n'a pas de retenue sur la terre, c'est-à-dire que quand il sort sur la terre, la seule chose qu'il meurt avec, c'est l'habit qui est sur lui. C'est terrible. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Vous voyez, une fois de plus, on a un problème de compréhension dans l'évangile ici. La personne dont il est en train de parler ici, c'est une personne que Jésus-Christ lui-même a quitté le ciel pour venir vers lui. Lui dit qu'il s'est révélé à lui pour le faire porter devant les rois.
Mais entre-temps, la personne s'est dit qu'il a des choses que lui-même a dû renoncer pour répondre à cet appel-là, pour gagner encore davantage de connaissances en Christ. Donc ne pensons pas que quand vous êtes. Non, j'ai donné ma vie à Christ, que c'est suffisant, vous avez resté comme ça, Dieu va me donner toutes les révélations. Non, non, je vais lire la Bible, je vais comprendre, tu parles. Il y a des sacrifices qu'on doit faire. Il y a des gens qui doivent sacrifier leur passion, sacrifier leur temps de distraction pour pouvoir gagner dans les Écritures. Plus, tu ne peux pas rester à la Bible, tu laisses à la Bible à la maison, tu dis que non, quand il va dormir, Dieu va me montrer ça, le passage que je vais lire. Après, tu te lèves le matin comme ça, tu ouvres la Bible, tu bosses, calabas, tu ouvres comme ça, subitement la Bible. Catholique, caché. Il faut du temps de travailler dans la Bible. Il faut du temps. Dans ce temps-là, qu'on passe devant les choses, les inutilités, on doit convertir ça pour à bien séance, pour utiliser pour notre salut. Mais une fois de plus, gardez-vous dans l'esprit. La personne qui a de parler ici, il parle alors qu'il a une relation poussée avec le Seigneur. Cette personne-ci a une relation poussée avec le Seigneur. Il est versé. Dieu est venu vers lui. Malgré la révélation, il a eu le baptême du Saint-Esprit. Il continue toujours à travailler. Regardez bien. Je les regarde comme à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il n'a pas déjà Christ. Est-ce qu'il n'a pas Christ? Donc il voulait davantage de révélation parce que personne ne peut dire qu'il est suffisant dans la révélation du Seigneur. Personne. Dieu peut te donner seulement le contour de l'orteil, de la partie de l'ongle qui est sur l'orteil. Tu crois que tu l'as eu? Alors que tu as vu seulement le contour de l'ongle. C'est pour ça que certaines personnes sont avec des révélations, c'est époustouflant. Parce que les révélations du ciel ne seront pas suffisantes pour la terre. Parce que ce n'est pas contenu, ce n'est pas fait pour cette dimension-ci. Quelqu'un va entendre des choses qu'il n'a jamais entendues, il dit que non. Est-ce que c'est on a vu ça de la Bible? La Bible n'a pas tout contenu parce qu'il a dit que les petites choses qu'il nous a faites pour qu'on comprenne, ce sont les choses qui sont dans les champs ici. Il a seulement pris des choses de la nature pour nous expliquer. Il dit, si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Quand il vous parle des choses célestes, est-ce que vous allez comprendre? Parce que ce n'est pas tout ce qui est au ciel qui a les symboles ici. Jésus nous aime. Le Seigneur nous aime. Et il nous a réunis ce soir pour nous dire clairement qu'il désire parler au cœur de ses enfants. Mais le Seigneur te dit, je vais vous parler. Les enfants sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de jouer. Un peu comme les enfants sont distraits en train de faire autre chose. Le Seigneur veut parler. Et la détresse est devant nous. Comment on va tenir? N'a-t-il pas dit veiller et prier? Lorsqu'il était à Gethsemane, le temps était à la prière. Ce temps n'était pas à la prédication, il n'était pas pour expliquer les mystères. Il y avait le temps de mystère où il fallait expliquer les choses cachées depuis la fondation du monde. Il y avait le temps où il devait donner les paraboles, le temps des poissons, le temps des miracles. Là, c'était la prière. Nous sommes dans le temps de la prière. Nous sommes dans le temps de la prière. Comme l'apôtre Pierre dit que les jours sont mauvais, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Le verset là résonne mieux en ce temps-ci. Et le vrai problème, c'est que le temps, ça ne doit pas s'atténuer. Ça va aller comme ça, crescendo. Au fur et à mesure, la difficulté va seulement augmenter. Donc Dieu va seulement augmenter les difficultés, pas diminuer. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'il veut épurer nos cœurs, épurer notre foi pour que nous sortions là-bas. Parce que souvenez-vous, ce sont les épreuves de la foi qui purifient la foi et font sortir la meilleure partie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, les épreuves qui sont là, nous devons les traverser. Et on ne redoute pas ici. Ici, on ne redoute pas. C'est où tu meurs, où tu passes. Ça, c'est le combat mortel dans la vie de la foi pour les chrétiens. On y va. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous remarquez que la personne de parler ici, il dit qu'il a les choses qu'il a faites et pourtant ce n'est pas la loi. Il a dit que ce n'est pas pour dire qu'il a fait comme ça pour obtenir quelque chose qui vient de lui par soi. Ça. Mais pourtant il a regardé les choses comme de la boue. Vous voyez que la foi a ses exigences. Pour que la foi fonctionne en toi, il y a des exigences. Ce n'est pas la loi, mais c'est la loi de la foi. La loi de la foi est claire. Le salut à la croix a été donné gratuitement. Quand tu as ça gratuitement, il y a une façon de vivre. Et cette façon de vivre, tu dois te détacher des choses. Il y a des choses dont tu dois abandonner. Tu ne peux pas dire que non, j'ai la foi, je vis par la foi et puis tu vis dans la prostitution. Ça n'a pas de sens parce que la foi est loin, doit te donner de cela. On peut avancer? Ok, écoutez tout attentivement. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il dit qu'afin de connaître, hein, la personne qui dit comme ça, c'est la personne qui connaît Christ, il a déjà vu Christ plusieurs fois. Jusque là, il cherche encore à le connaître. Merci Père, vous voyez ça, vous entendez ça? Et la communion de ses souffrances. Quand les gens de ces siècles se prient, ils cherchent les sept quoi, pour gagner les richesses de Christ. En citant les versets que Paul lui-même écrit que nous sommes héritiers avec lui. Or, il parle de l'héritage qui est dans les cieux et autres, pour la vie future. Eux, ils cherchent pour eux ici. L'héritage, là, c'est les postes ministériels. Les ministères bien remplis avec les poches à l'intérieur. Mais ceci dit que la communion en ses souffrances, en devenant conforme en lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis,
à la résurrection d'entre les morts. Amen. Et ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puis moi aussi, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Vous voyez que Jésus-Christ a saisi sa main, mais il va continuer, il doit continuer dans la marche. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, il n'est plus temps de rentrer en arrière, il est temps de se porter en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà la pensée d'apôtre Paul. Le jour que Christ l'a saisi, il n'a plus regardé derrière. Il avançait de perfection en perfection. Qu'est-ce? Il a eu Dieu à sacrifier quelque chose. Voici quelqu'un qui vit son cœur, parle constamment avec le Seigneur. Tout ce qui tourne autour de lui, c'est l'évangile. Quand les chrétiens sont là, ils discutent à nos Schwarzenegger et Rambo, qui a le plus grand agent. Les chrétiens ont dans leur compte, ils sont les amis des stars. Ils commencent à regarder combien la chaussure de telle personne coûte. L'autre a acheté un sac Dolce & Gabbana a des 400 millions. L'autre a sa voiture, c'est le Gimbaloli ou c'est Bomboromba. Donc voilà la conversation des chrétiens. Et puis quand il y a la détresse, le mondain crie, lui-même crie. Pourtant, le mondain doit crier pour le chrétien. Il va voir le chrétien qui est calme. Il dit, pourquoi tu es calme? Il dit, j'ai l'assurance que mon Dieu est le maître qui contrôle ces choses. Or, Dieu veut punir le monde pour sa malice. Il ne veut pas punir avec ses enfants. C'est pour ça que tous ces enseignements se sortent pour nous mettre à l'ordre afin que nous ne participions pas à ces choses-là. Amen. Amen. Colossiens. Je ne sais pas si c'est bonne nuit quand Dieu c'est bonjour, maintenant c'est quoi là maintenant? Vous y êtes les seuls là. Si vous avez moi, il avance. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Dès que je vais lire là, je vais aller toujours dans le même chapitre ici. Je vais lire, je vais résumer tout ce qui est dans les différents passages. Je vais parler désormais en regardant, vous citant les passages. Parce que vous connaissez ce qui est contenu dans les passages que je vous ai donné de départ. Donc après être quitté dans Colossiens chapitre 1, je vais commencer à parler par rapport à tout ce qui est écrit là-bas. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, la Bible déclare, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Donc, il est en train de parler ici de Colossiens, qu'ils avaient entendu parler de leur foi et de la charité pour tous les saints. Parce que, Epaphras, qui était venu leur annoncer l'évangile, est rentré vers Paul et leur explique comment la charité les animait, comment ils vivaient dans l'amour du Seigneur. Gardez-vous à l'esprit, Epaphras vient voir Paul pour dire que les Colossiens ont reçu la parole de Dieu, ils ont été sauvés, et voici comment ils vivent. Quand il a entendu cela, il dit, depuis le jour dont nous avons entendu, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Écoutez même bien, que nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Voici des chrétiens pour qui on a de prier que Dieu leur révèle sa volonté. À Timothée, il va dire, conspirant ce que je dis, car le Seigneur te fera comprendre sa volonté. Vous y êtes. Dans Philippe, dans Éphésiens chapitre 1, il a dit quoi? Il dit qu'il faut qu'on comprenne quelle est la volonté du Seigneur. Regardez ici. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. On remplit par la connaissance de sa volonté pour faire quoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc sans connaître la volonté du Seigneur, on peut marcher selon sa volonté. C'est grave. Sans connaître la volonté du Seigneur, c'est pas possible de marcher selon sa volonté. Pour marcher d'une manière digne de lui, il faut connaître sa volonté. Comment faire pour marcher? Comment faire? L'apôtre Paul dit, il en est de prier pour eux que Seigneur. Seigneur, donne-le de te connaître. Plus tu connais le Seigneur, plus tu marches dans sa volonté. Vous y êtes. Or, Paul en a décrit ici, aux Colossiens, c'est quand ils vont écrire, écoutez-moi bien, c'est quand il va écrire, c'est quand ils vont avoir la lettre qu'ils vont lire pour être en contact avec le message que nous sommes en train de lire maintenant. Quand Paul n'était pas là, et parfois il partait les voir, il n'avait pas quelque chose qu'il lisait, comme le Nouveau Testament. Il n'en avait pas. Donc, il lisait, Paul est obligé de prier pour que Dieu les garde. Dieu a gardé les gens qui ne lisaient pas la Bible dans l'amour et dans l'amour du Seigneur. Nous avons la Bible avec le compte rendu de chacune des églises naissantes. De tout ce que les prophètes ont fait, nous avons ça totalement. Voilà ça devant moi, voilà ça devant vous. Dans les téléphones, partout. Qu'est-ce qui nous empêche de chercher le Seigneur? C'est ce qu'on va voir ici là maintenant. Amen. Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être un peu agréable. Amen. Entièrement agréable. Dieu veut qu'on lui soit entièrement agréable. Il faut l'intercession pour ça. Pour prier jour et nuit. Pour que les gens soient entièrement agréables au Seigneur.
Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont l'autosuffisance. Ils croient peut-être que comme ils en ont sur les prédications, ils en ont tous les livres, ils croient que ça va. Écoutez bien, la lettre doit être jointe à l'esprit. Et à l'esprit, quand quelqu'un a l'esprit, il doit même redoubler la prière. Parce que c'est là où la vraie bataille spirituelle commence quand tu as l'esprit. La vraie bataille spirituelle commence quand tu as l'esprit. Ils vont venir challenger ta puissance chaque fois. Vous êtes? Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Regardez cela. Il dit, pour marcher, verset 10 encore, gardez votre esprit en haut. On a entendu que votre charité était bonne. Vous avez la foi en Dieu. Nous, dès le moment où on a entendu ça, on a commencé à prier Dieu pour vous. Et on ne cesse de prier Dieu pour vous. Et ce que nous demandons dans notre prière, c'est que Dieu vous soit, nous fasse que vous soyez remplis de toute la connaissance du Seigneur Jésus-Christ pour connaître sa volonté, afin de pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant donc le style de vie, va maintenant porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tu parles des chrétiens. Maintenant, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Persévérant et patient. Vous remarquez, initialement, il faut que la fortification du Saint-Esprit. Toujours dans ces versets. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Mais on a dit quoi? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Mais les gens passent des nuits de prier pour ça. Que Seigneur, fortifie le cœur. Fortifie le cœur. Fortifie le cœur. Fortifie le cœur. Vous y êtes? Regardez. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par quoi? Vos pensées. Et par vos mauvaise œuvre. Vous voyez comment quelqu'un reste tranquille comme ça, il est ennemi de Dieu. À cause de la pensée. De la pensée. Et les pensées sont où, mon frère? Les pensées sont d'où? Dans le cœur. Dans le cœur. Le style de pensée qui anime ton cœur, à cet instant-là, tu es ennemi de Dieu. C'est grave. Il dit, et par vos œuvres. On y va. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans tâche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sur le ciel et dont moi j'ai été fait ministre. Voilà pourquoi nous sommes ministres de l'évangile. Pas ministres plénipotentiels, non. Ministres de plein rang. Avec rang prépondérant d'ambassadeur. Voilà pourquoi nous sommes là, le ministre de justice, pour appliquer la justice, la justification qui a été faite à la croix dans les vies des gens. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ce soir? On doit chercher sa face. Qu'est-ce qui bloque les styles de pensée qui sont dans le cœur, les mauvaises œuvres? Dans ce livre d'Éphésiens, il vous a donné aujourd'hui Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 1, si vous prenez le chapitre 1, vous croisez le chapitre 59. Je vous avais demandé aujourd'hui d'écrire seulement Ésaïe. Parce qu'il va vous donner les chapitres tout à l'heure. Vous êtes fatigué, non? Même pour porter le cahier, c'est grave. Il faut même ma Bible. Il dit que quand il va finir de parler de Colossiens, là, il va commencer à parler. Et les versets vont sortir dans ce que vous avez noté là-bas maintenant. Au fur et à mesure. Vous y êtes. Tout à l'heure, vous avez noté Sophonie, vous avez noté Ésaïe, vous avez noté Osée, sans mettre les chapitres. C'est ce qu'il dit. Vous y êtes. Dans Ésaïe, dans le chapitre 1, il dit que je vais commencer à parler maintenant. Dans Ésaïe chapitre 1 et chapitre 59, si vous les croisez ensemble, vous allez remarquer qu'il va dire au chapitre 1 que éloignez de moi de plus de vos cantiques, je n'ai plus voir quoi, cette fausse chose-là ajoutée à la solennité. Donc, il ne veut pas qu'on mélange le culte, l'adoration avec lui, avec nos fausses manières de vivre. Vous voyez? Puis, lorsqu'on crie, il n'y a pas les réponses, il dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver. Ni. C'est les oreilles assez dures pour entendre, mais ce sont nos crimes qui créent une séparation. Pas vrai? Donc, ça dit qu'il faut qu'il y ait une séparation. La chose qui crée une séparation doit être enlevée. Grave encore, si vous croisez maintenant ce verset avec 1 Timothée 4, que vous avez, 1 Timothée 2 que vous avez noté là-bas, le verset 8. Vous vous souvenez que vous avez noté ça aujourd'hui? 1 Timothée chapitre 1, 2, verset 8. Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains. Les mains doivent être comment? Sans quoi? Colère. Ni? Non. Sans colère ni. Il dit 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, le verset 8. Qu'est-ce que ça dit?
Que Dieu vous bénisse. Bonsoir de nuit. Vous savez, moi, je veux que les hommes prient en tout lieu, n'importe où, en élevant les mains. Sans communion mauvaise pensée. Wonderful. Je crois que je vais vraiment écouter mon séjour ici. En élevant les mains, quoi? Les mains doivent être sans ni mauvaise pensée. Tout à l'heure, on venait de voir dans Colossiens qu'on était ennemis à cause de la colère, à cause des pensées qui étaient là-bas, les mauvaises pensées. Ce qu'on a vu dans Colossiens chapitre 1, verset 21. Et ici, ils disent qu'ils veulent que les hommes prient. Donc, avant de prier, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises pensées. Et je pose la question, les mauvaises pensées viennent d'où? Du cœur. C'est là où le cœur parle, chercher ma face. Je crois que j'ai passé du temps au moins 13 fois, 13 séries pour faire les chrétiens face aux mauvaises pensées. Et les gens ne comprennent pas ça parce que les gens ont eu un renseignement que non, quand tu as cru, c'est fini, c'est terminé. Mais ici, il a décrit aux chrétiens. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Ceux qui invoquent le Seigneur, là, ce n'est pas n'importe qui. C'est les chrétiens. Sans colère ni mauvaise pensée. Donc, la volonté de Dieu, c'est que les pensées mauvaises ne soient pas dans les chrétiens. Pour que le contact ne soit pas coupé. Parce qu'on a dit qu'on était ennemis de Dieu à cause des mauvaises pensées. Il faut donc que ça soit quitté. Vous avez moi? On peut avancer? Osée, chapitre 4, chapitre 14. Je vais donner aujourd'hui Osée, non? Au fait, Osée. Osea. Si vous êtes des amateurs de témoins de Jéhovah, je vais dire que je vais dire sauf nous, vous allez dire sauf ça, Safania. C'est Safaria, c'est écrit. Prophète Osée, chapitre 14. Page 1265, ma soeur. Courage, d'accord? C'est la nuit des prières. La nuit, une nuit dans sa présence. Une nuit dans sa présence. Vous voyez comment le monde est calme pendant que les gens sont allés dormir dans leur lit. Vous voyez comment le sommeil, imaginez pendant le sommeil, vous attire, pas vrai? Ça vous attire. Vous entendez que si vous couchez sur le lit maintenant, ça sera très bon. On va résister. On va résister. Esaïe, Osée chapitre 14. Regardez ce que ça dit. Israël, juste on va partir du verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu car tu es tombé par ton iniquité. Donc quand quelqu'un tombe, ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Même si tu as péché n'importe quoi, ça ne veut pas dire. Il faut seulement quoi? Revenir. Il dit reviens. Et il dit la façon, Dieu est tellement bon. Il y a de quoi? Et vous pouvez seulement vous coucher, vous adorer Dieu à cause de cette façon d'agir. Il sait que tu es tombé. Il sait que tu es fait de chair. Il sait que tu as des faiblesses. Il sait que. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il t'étend toujours là. Toujours la main. Il dit rêve. Il dit Israël, reviens à l'Éternel. Tu peux mettre ton nom là-bas maintenant. Tu dis, toi, reviens à ton nom. C'est à toi que Dieu t'adresse que reviens à l'Éternel. Et puis il dit comment il faut revenir. Parce qu'on dit reviens comment, il est où? Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Donc on vient à l'Éternel par la repentance, en confession. Vous vous souvenez du Proverbe chapitre 28. Si quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui. Vous remarquez comment on nous flatte là? Dites-lui. Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux des hommages de nos lèvres. Vous voyez, il ne voit pas. Dieu veut tout simplement la sincérité. Comme il a dit dans Psaume 145, verset 11 et 12 là. Verset 11, 12 et 18. Il dit qu'il veut de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ceux qui le cherchent avec sincérité. Il dit, dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Le psaume 103, verset 3 et 4, il dit, celui qui pardonne nos iniquités, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne nos iniquités de nous. Donc Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés. Tous les péchés que nous allons parler, nous n'avons pas confessé, c'est ça qui va retenir. Alors, nous avons une place, une plateforme sur laquelle régler nos différends avec le Seigneur. Dieu ne fait pas de différends avec nous, c'est nous qui passons le temps à lui être infidèles. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Israël, tu as fauté, tu es tombé par tes iniquités. Reviens. Nous pourrons aller vers lui ce soir. Il dit, reviens. Reviens. Dites-lui, pardonne nos iniquités et réponds nos changements. Nous sommes. Hé, Père, je connais mes iniquités. C'est constamment devant de toi. Je suis né dans l'iniquité.
J'ai vu dans l'iniquité, au milieu de l'iniquité, et toi tu m'as mis ici, sur la terre, et tu as dit, nous ne sommes pas du monde. Mais ô Père, nous imitons le monde, nous vivons comme le monde. Mais c'est soit nettoie-moi. Nettoie-moi. Quand vous allez dormir, le Seigneur va parler à votre cœur. Quelque chose va se produire dans votre cœur. Parce qu'il a dit dans Pierre 38, 36, que vous avez noté là-bas, il dit qu'il va changer le cœur, il va ôter le cœur de Pierre, il va mettre un autre cœur. C'est au verset 22 jusqu'au verset 26 que vous pouvez trouver cela. Vous y êtes? On peut continuer? Amen. Jusque là, on peut continuer? Dans le chapitre 4 de Jérémie que vous avez noté, dans le chapitre 4 de Jérémie, il nous parle de la nécessité d'élaborer la terre pour enlever les épines qui s'y trouvent. Et vous savez que les quatre types de terre parlent du cœur. Pas vrai? Donc il nous faut la répandre, il faut fouiller, pêcher, remuer jusqu'à ce que nous extirpons tout ce qui ne va pas avec le Seigneur. Vous savez moi? Fermez les Bibles donc. Le Seigneur nous a donné la solution. La détresse qui est devant nous, ou mieux encore, que dis-je, les détresses, parce que les détresses vont aller croissantes. Les détresses qu'il y a devant nous ne pourront tenir. Et l'une des fois, pendant que nous étions en train d'annoncer les longs jeûnes, il y a des gens qui se moquaient. Il y a des gens qui se disaient, c'est qu'il y a des jeunes qui ne s'arrêtent pas. Ils vont comprendre le pourquoi. Et le Saint-Esprit a dit, le moment viendra où les gens souhaitaient le jeûner, ils n'auront plus le temps. Avais-je dit cela? C'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les jeûnes pour la préparation, c'est pour cela, pour le temps difficile. Quand le Seigneur avait dit aux disciples dans le livre de Jérémie, Matthieu, chapitre 17, verset 21, il s'agit des démons, pourquoi n'avons-nous pas de Jésus? Il s'agit de ce ne sont que par des jeûnes et des prières. Donc tu vas rencontrer, tu crois que quand tu vas marcher, tu marches ton héros. Tu vas voir le démon, tu dis, sors, le démon dit, ton démon, comme tu as mangé le héros, je sors. Tu parles. Adieu, wa. Le démon va te demander, tu manges le héros et puis je sors. Vous avez moi? Alors, il y a des temps de préparation. C'est pour ça qu'il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, on n'a jamais vu les jeunes, que j'ai des longs qui s'intéressent, que j'ai des jeunes qui n'intéressent pas. Ils vont comprendre maintenant. Moi aussi, je dis maintenant, on n'a jamais vu un endroit où le virus est partout sur la terre, où les gens ne se vaccinent, on force les gens. Moi, on n'a jamais vu, pas vrai? Oui, vous allez voir. Comment on n'a jamais vu? Il n'y a pas, non? Est-ce qu'il n'y a pas les vaccinations obligatoires? Il y a. On n'a jamais vu ça aussi. Préparez-vous le Saint-Esprit. Il dit, oh, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit, il faut le Saint-Esprit. Préparez-vous, il y a une longue jeûne qui est en train d'arriver. Le monde vient, on fera une longue jeûne. Ah non, non. Les disciples, quand ils priaient une fois, le Saint-Esprit descendait. Ok, prie ta part, le Saint-Esprit descend. On voit comme c'est toi qui as le programme de Dieu en haut. Lis la Bible que vous voyez là, c'est une chose. Connaître le timing que tu as destiné, c'est une autre chose. Ah non, quand je prie là-bas, je commence à parler en langue. Ok, parle en langue, il n'y a pas de problème. Voilà les dresses devant. Quand la détresse sera, quand on va dire qu'il va se faire, j'étais pour tout, pas tout, pour tout, pour tout, pour tout. Pendant que tu fais le médecin de mettre l'aiguille dans le truc, il finit de tirer. Tu as fini de faire tout, pour tout, pour tout. Oui, oui. Montre la main ici. Quand tu es vacciné, tu vas voir que le pour tout, là-bas, c'était dans tes règles, c'était sur tes lèvres et dans ton cerveau. Mais la crainte du Seigneur qui établit sur le cœur et met le cœur des gens dans cette boule en cristal transparent. Ça vous fait comparaître devant les rois sans avoir aucune crainte. Faire comme Polycarpe, on va te faire marcher devant le roi. Tu sais qu'on est en train de marcher avec toi pour aller te tuer. Tu regardes les gens en intercédant pour eux. C'est ça qui a fait que quand Étienne s'est tourné, quand on l'a frappé, il a regardé ses ennemis, il a prié pour eux. Sans ça, on te fait tant. Tu vois les étoiles comme ça, ta tête tourne comme ça. Tu dis, maman, tu parles en langue ambassade, tu crois que c'est la langue que tu as parlé. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Alors, je dis ce soir, est-ce que nous pouvons nous prosterner là devant? Et nous prosterner devant lui en parlant à Dieu de nettoyer notre cœur, de prendre notre cœur et nettoyer sans dormir. Vous savez ce qu'on va faire? Personne ne cherche un support pour prier. Parce que si vous vous permettez de mettre la main, vous allez dormir. Le moment viendra, vous allez dormir. En tout cas, on a eu à dormir jusqu'à maintenant. Si vous avez 30 ans, vous avez dormi au moins la moitié de ces 30 ans-là. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va se mettre à genoux là-bas. Chacun va parler à Dieu sans toucher le support. Je vous invite, si ça ne va pas vous marcher à genoux, comme quand vous étiez à l'école primaire, vous marchez là pour que ça vous maintienne debout, en parlant à Dieu. Fermez les yeux, parlez à Dieu. Parlez à Dieu de tout votre cœur. Le salon est grand. Parlez à Dieu. Le temps est à la prière, une fois de plus. Écoutez cela, parce que la détresse est devant. Ce n'est que ceux qui auront entraîné leur cœur à la prière pour que le Seigneur. Et ça, ce qu'on a fait là, ce n'est pas sporadique de façon aujourd'hui. Il faut maintenir cela, que le rythme des prières soit constant.
Parce que ce n'est pas en un jour vous allez aller au marché, vous dites voici la poule grandit. Non. Vous l'entraînez jusqu'à ce que la poule grandit pour que vous allez au marché. Si vous attendez que la détresse boum dans le monde. Et est-ce que vous savez que Dieu va faire pleuvoir du feu du ciel? J'ai soin de voir une pluie qui en est tombée et puis le feu est au milieu de la pluie. Regardez ça, regardez la pluie là. Voici une pluie, l'eau en est sortie du ciel avec du feu mélangé. Vous voyez cela? Qu'est-ce que c'est? Dieu veut détruire une ville. Ça c'est en Europe. Je viens de regarder ça, c'est en Europe ici. Ça c'est en Europe, regardez que ça descend, ça c'est une ville. Ça c'est une ville. Ça c'est une ville en Europe. Et puis le Saint-Esprit le fait descendre en même temps l'eau, en même temps le feu mélangé. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ici? Sodome et Gomorre. Allons devant le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit qu'on vient à lui. On apporte à la parole. La maison est grande. Il n'est que 2 heures, donc on a tout le temps. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux. Voici encore une fois je te lis, mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux. Que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillie s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, au Père, je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne conforme pas à ce monde pour ne pas éloigné du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir qui sera manifeste en peu de temps. À la porte au Père, je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde.
façon de mon cœur, que tu le gardes à toi, ô Seigneur. Pour me dire que tu es à la porte, Père, je te prie, garde-moi.